Les volleyeuses nantaises trépignent d'impatience. Après plus d'un mois d'arrêt, la trêve hivernale touche à sa fin. De retour sur les terrains depuis le 30 décembre, elles sont prêtes pour renouer avec la compétition samedi à Béziers. Si l'année 2013 ne s'est pas très bien terminée avec 3 défaites consécutives, le VBN occupe toujours une encourageante 5e place au classement à l'heure d'entamer la phase retour. L'objectif, ce que je disais aux filles, c'est essayer justement de protéger cette place le plus longtemps possible. Parce qu'on sait que si on reste sur cette position, on sera non seulement en play-off, mais en plus on aura une bonne place pour jouer ces matchs de play-off. Mais avec d'emblée des matchs de très haut niveau face à Mulhouse ou Cannes, la tâche ne sera pas aisée. Le VBN ne veut pas non plus négliger la Coupe de France. Demi-finaliste la saison passée, les filles se verraient bien aller plus loin. J'espère vraiment que voilà, on va pas perdre en demi-finale comme l'année dernière, puisque la finale c'est vraiment un super moment à vivre. Et je pense que pour le club, ça serait important aussi qu'on fasse une finale cette année, quoi. Qu'on monte en puissance. Je pense qu'on peut aller plus loin que l'année dernière. On l'a montré, je pense, depuis le début de l'année. Là, pour l'instant, on est 5e, donc c'est une place qu'on n'a pas eu les années précédentes. Donc faut qu'on continue sur cette voie-là. Pour permettre au VBN de franchir encore un palier après 4 saisons en Liga.